t'as vécu la semaine déjà, titulaire, finale. Franchement, bonne semaine. J'ai pas eu. Personnellement, j'ai pas eu trop de pression. On a fait une bonne semaine d'entraînement. Tout le monde était là les uns pour les autres, donc je pense que ça a joué aussi. On s'était dit qu'on n'était pas donné favori, mais grâce à l'état d'esprit, je pense qu'on peut faire de grandes choses, et c'est ce qu'on a montré ce soir. Bon, ce match, ouais. T'es titulaire à la mêlée, tu joues contre Gibson Park qui est international, contre Sexton qui est international, et tu fais un match très propre. Comment tu t'es trouvé, toi? Mais franchement, je sais pas, j'ai pas forcément pensé. Après, c'est des joueurs comme les autres. Non, mais toi, comment tu t'es trouvé, toi? Ah, je sais pas, c'est pas moi de répondre à cette question. Est-ce que t'as été content de ton match? Ouais, je suis content de mon match, ouais. Bah, quand t'es champion d'Europe, oui, t'es content. Même si tu fais un match dégueulasse, je pense que t'es content. Tu trouves que t'as fait un match dégueulasse? Non, mais même si tu fais un match dégueulasse, je pense que t'es content. Sortie de camp, transmission, ça a été très propre de ta part? Oui, bah, j'ai beaucoup travaillé sur ça les derniers mois. Je me suis mis en confiance la semaine dernière, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais... De toute façon, il fallait faire des sorties de camp propre en finale Champions Cup. C'est chose faite et voilà. Tu peux me raconter quand tu vas chercher Sexton sur la barre? Je vois Brice faire un drop, je sais pas ce qui lui arrive. Et puis là, je sais pas. J'ai couru et il a dû me prendre pour un cadet, je pense. Il a voulu me prendre à l'intérieur et je me suis fait mal au bras.